richement. May God bless us all very richly. As you have just few, can allow us to sing some hymn in French. God willing. Sur le chemin va sans peur. I don't know if you know it. Do you know it? Sur le chemin va sans peur. Let me sing some in English. Sur le chemin sans peur, car Jésus est devant toi, il veut être ton sauveur. Poursuis-le par la foi, et maintenant saisis la main de Il y a encore un petit cantique, mais encore en français, mais on va chanter cela pour prier. C'est parce que grâce, tu le connais. There is another hymn in French, and we will sing it before praying. Si tu veux le bonheur, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur,
Laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, ok. Ok, voilà. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le every time, making it fair for sin.
This is why we have come here. C'est connaître encore davantage à propos de Jésus. It's to know Jesus even more. On dit que Christ est le mystère de Dieu. It says that Christ is the mystery. Et quand nous venons à Dieu, Dieu nous révèle de plus en plus. And when we come to God, God reveals himself to us more. Où il ouvre de plus en plus. Or he opens himself more and more. Nos pensées, notre intelligence à la connaissance de Jésus. Or opens our knowledge and toward Jesus. Et quand nous connaissons, nous cherchons à connaître encore davantage. And when we know, we seek to know even more. Car c'est ainsi que nous rentrerons en communion avec lui. For this is how we will enter into fellowship with him. Nous allons prier. We will pray. Notre Père et notre Dieu. Our Father and our God. Créateur des cieux et de la terre. Creator of heaven and earth. Nous te disons merci encore une fois de plus. We are saying thank you to you again. Pour la grâce que tu nous as encore manifestée en ces jours. For the grace which you have manifested to us again in this day. D'être présent dans ta maison, Père bien-aimé. To be present in your house, beloved Father. D'être présent en ta présence, oh Dieu. To be present in your presence, oh Afin Lord. De recevoir de toi, Père Tout-Puissant. To receive from you, Almighty Father. C'est que tu avais, comme tu l'avais dit ainsi pour Marie. As you said for Mary. La bonne part qui ne sera jamais ôtée. The good part that will never be taken away from us. Te demandons de nous pardonner nos péchés, Père Tout-Puissant. We ask you that you may forgive us for our sins. Et de nous accorder encore ce soir, Père bien-aimé, oh Dieu. And grant to us again this evening. De pouvoir encore de grâce partager avec toi. To be able to share with you. Le souffle de nos vies, Père Tout-Puissant, autour de ta parole. The breath of our lives before your word. Ainsi, Père Tout-Puissant, bénis tout et chacun présent ici. So, bless each one of us who are present here. Et bénis aussi les bien-aimés qui sont avec nous en ligne, Père. And bless the beloved who are with us online. Et sois glorifié au travers de tout acte que nous allons poser, Père. Be glorified in all acts that we will do, Father. Nous remettons tous les nôtres qui sont absents du milieu de nous. We leave all those who are among us but are absent today. Qui sont retenus au lieu pour diverses raisons. Who are away for different reasons. Et Dieu de grâce soit avec eux, Père Tout-Puissant. God of grace, may you be with them. Commence avec nous, oh Dieu. Start with us, oh God. Et continue avec nous. And continue with Et us. Et achève ton œuvre avec nous, Père Tout-Puissant. And fulfill your work among us, Almighty Father. Et alors que nous t'avons prié ainsi. As we have prayed to dans you. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. 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 Nous allons chanter, Rudy. We will sing, Rudy. Racheter. C'est comme français, ils ont traduit par sauver. In French, they've translated it as saved. Mais c'est racheté. But it's redeemed. Redeem how I love to proclaim it. Redeem by the blood of the Lamb. Amen. Redeem how I love to proclaim it. Redeem by the blood of the Lamb. Redeem through His infinite mercy. Each other and forever. Redeem, redeem. Oh, redeem. Redeem by the blood of the Lamb.
Jamais je suis it et je ne demeure. His child and forever I am. Amen. Et adoré. Jesus, my divine, amity and pride, know we not with my Savior. Amen. Au calvaire, ça s'appelle comme ça en anglais. At Calvary. Moi, j'ai dépensé autant d'années dans la vanité et dans la vaine gloire. How I spent so many years in vanity and pride. Nous allons chanter. And we will sing. Yes, I spent in vanity. Oh,
It is a very deep song. Dit que son calvaire, que la grâce était tellement grande. Saying that it was at Calvary that the grace was so great. La miséricorde était grande, comme on dit plutôt ici. The mercy was so great. Et la grâce était gratuite. And grace was free. Et le pardon a été tellement multiplié. And pardon was multiplied so much. Et c'est là où mon âme qui était assoiffé, qui était tourmenté, and now when my soul that was burdened or tormented a trouvé le repos, found the rest. C'est vrai. This is true. Nous allons chanter un dernier. We will sing one more. Tell me the old story. Dites-moi la vieille histoire. Tell me the old story. De l'amour de Jésus, comme on dit en français, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. As we sing in French, tell me the story of love. As we sing in French. Tell me the old story of a Oh,
De servir au Dieu. It's wonderful to be able to serve you. De se tenir en ta présence, Père Tout-Puissant. To stand in your presence. Et de chanter ces vieux cantiques de Sion. And to sing these old hymns of Zion. Redites-moi l'histoire. Tell me the story. Et c'est ce que toi-même tu as dit quand tu parlais de l'envoi du Consolateur. And this is what you spoke about yourself when you spoke about the Comforter that will be sent. Il dit que quand il viendra. You said that il vous rappellera toutes ces choses. He shall remind you of all these things. Alors, Seigneur, des fois, nous oublions si facilement. And so, Lord, we often forget. Mais nous sommes assoiffés d'entendre encore ces choses, oh Dieu. But we are thirsty to hear these things again. Nous sommes comme les frères sur le chemin d'Emmaüs. We are like the brothers on the way to Emmaus. Quand tu as commencé à parler de ces belles choses, oh Dieu. When you started to speak about these beautiful things. Leurs cœurs ont commencé à brûler au dedans d'eux. Their hearts started to burn within them. Car ils voulaient encore entendre davantage. For they wanted to hear even more. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci. That is why, Father, we say thank you. D'avoir réchauffé nos cœurs pour entendre ces choses. For having warmed our hearts to hear these things. Et de pouvoir ainsi vivre en ta présence. And to live in your presence. Ainsi bénis notre réunion de ce soir, oh Dieu. So bless our meeting of this evening. Ne nous laisse pas regarder par aux circonstances qui nous entourent. Do not let us look at the circumstances. Mais laisse-nous reconnaître la présence de celui qui nous a appelés. But let us recognize the presence of the one who called us. Sois glorifié en toutes choses encore maintenant. Be glorified in all things. Alors que nous t'avons prié ainsi. As we have prayed to you. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. May God bless you all. Nous allons aller directement à la parole de Dieu. We will go directly to the word of God. Et nous prendrons nos Bibles, bien sûr, comme nous l'avons fait dimanche avec ce message que nous avons commencé. And we will take our Bibles, as we started on Sunday with this message. Avec Hébreux au chapitre 10, pardonnez-moi. With Hebrews chapter 10. À partir du verset 19. From verse 19. Jusqu'au verset, je préfère lire ainsi, jusqu'au verset 23. Until verse 23. Donc, dans les livres des Hébreux. In the book of Hebrews. Au chapitre 10. Verse 10, chapter 10. Le verset 19. Verse 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. By a new and living way, which he hath consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. And having an high priest over the house of God. Approchez-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith,
Having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Let us hold fast to the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. Notre Père, nous avons encore lu ta parole maintenant. Our Father, we have read your word again now. Comme il est dit, n'importe qui a été à l'école ou qui a appris à lire. As it said, anyone who has gone to school and learned how to read. Peut faire la lecture intellectuellement parlant. Can do this reading intellectually speaking. Mais la compréhension, la révélation de la parole vient de toi. But the understanding and the revelation of the word comes from you. Et tu nous as invités ce soir à pouvoir nous réunir ici pour nourrir nos âmes. And you have invited us here to come this evening to feed our souls. Alors nous venons avec le cœur ouvert. So we come with our hearts open. Et nous regardons vers toi, celui qui nourrit. And we look toward you, the one that feeds us. Et si Seigneur, satisfait alors la faim de nos âmes. So Lord, satisfy the hunger of our souls. Étanche la soif de nos cœurs. Quench the thirst of our hearts. Et donne-nous ce qui est nécessaire, Père Tout-Puissant, pour notre avancement spirituel. And give us what is necessary for our spiritual progression. Éloigne ton serviteur en tant qu'être humain. Remove your servant as a human being. Toi, tu es le véritable pasteur. You are the true pastor. Viens parler à chacun d'entre nous, Père Tout-Puissant. Come and speak to each one of us, Almighty God. Et puissions-nous reconnaître alors que c'est Dieu qui nous a parlé. And may we be able to recognize that it is God who spoke to us. Nous nous sommes ainsi soumis à toi, oh Dieu. We are submitted to you, oh God. En te demandant la circoncision des lèvres de celui qui parlera. Asking for the circumcision of the lips of the one that will speak. La circoncision du cœur de ceux qui écouteront. And the circumcision of the hearts who will listen. Et la production des fruits. Pour ta gloire. And the production of the fruit for your glory. Nous t'avons prié ainsi dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. We have prayed to you in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. You may be seated. Je salue encore l'assemblée présente et l'assemblée en ligne. I'm greeting again the assembly that is present and the assembly that is online. Pour le grand privilège que Dieu nous a accordé. For the great privilege that God has granted to us. D'être appelé enfant de Dieu. To be called children of God. Ce n'est pas un terme ou une appellation. It is not a term or a title. Yes, thank you. Qu'on peut prendre comme ça à la légère. That you can take lightly. Mais nous savons que tout ce que Dieu fait dans ce monde. But we know that all that God does in this world, il le fait en fonction de ses enfants. He does it in function with his children. Je parlerai de ces choses un peu plus tard. I will speak of these things maybe a bit later. Dieu m'a conduit à pouvoir écouter ou entendre des témoignages. God led me to listen to the testimonies. Du réveil qui a eu lieu en 1904, 1905 au pays de Galles. To the revival that took place in 1905 in the West. In Wales. Et c'était quelque chose qui m'avait, c'est-à-dire que j'ai déjà lu ce qui s'est passé sur la côte ouest des États-Unis. I already read what took place on the west coast of the United States. C'est ce qu'on appelle là. Azusa Street. Upon what we call Azusa Street. Là-bas en Californie. Over there in California. J'avais entendu comme ça, vaguement parler du réveil au pays de Galles. I heard vaguely what took place in the land of Wales. Mais quand j'ai écouté les témoignages de ce qui s'est réellement passé. But when I listened to the testimonies of what truly happened. Nous en parlerons plus tard. J'étais tellement touché. We will speak about it later, but I was so deeply touched. On m'a dit que quand cette chose s'est passée en 2 semaines, it told me that when these things took place in 2 weeks, quand le feu est tombé comme il dit de l'appeler, when the fire fell down, as they call it. Alors il semble rapporté par le témoignage. So it was given by the witness que tout le pays de Galles. That all of Wales était à genoux au pied du Seigneur. Was on their knees before the Lord, at the feet of the Lord. Les gens n'allaient plus dans le pubs, comme on les appelle ici. The people no longer went into the pubs, as we call here. Les langages grossiers n'existaient plus. The
how can I say that? The rude words of the bad language. But the bad language no longer existing. Les gens ne volaient plus, il n'y avait plus de crime à condamner. The people were not stealing anymore and there was no crime. Alors on dit qu'on a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire de la police? So they started to ask themselves questions and said, what will we do with Parce qu'il n'y avait plus de, il n'y avait plus de criminels. Because there were no more criminals. Il n'y avait plus de voleurs. There were no more Il n'y avait plus de gens qui faisaient de mauvaises choses. There were no more people that were doing bad Tout le monde allait à la réunion de prière. Everybody was going to the prayer meeting. Les commerçants commencent à faire. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Those les commerçants, the traders, the business, yeah. The merchants did not know what to do. Et les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? And the people were saying, but what shall we do now? Car les gens n'allaient plus boire de boissons. For people were no longer drinking their drinks. Et tout ça. And all of this. Suite à la prière d'un petit groupe de gens. Followed the prayer of a small group of people. Et d'un frère que Dieu a utilisé. And a brother that God used. Pour susciter ce mouvement-là. To start this movement. Qui s'est répandu sur la côte ouest des États-Unis. That spread on the west coast of the United States. Et finalement States, dans le monde entier. And finally in the whole world. Alors je me suis dit, Seigneur bien-aimé. So I said, beloved Lord. Pourquoi tu m'as conduit à pouvoir écouter cela? Je n'avais jamais eu même cette. Je ne savais même pas que ces témoignages existaient. Why did you lead me to listen to this? I did not even know that this testimony existed. Alors je dis, Dieu fait ce qu'il veut. So I said, God does what he wants. Comme il veut. As he wants. Avec qui il veut. With who he wants. Il y a d'autres noms sont connus. There are other names that are. Sont connus that are known. Et il y a d'autres qui passent dans l'inconnu, bon, qui sont anonymes qu'on ne connaît pas. And there are others who we do not know. Mais que Dieu a utilisé aussi d'une façon puissante. But God used them in a powerful way as well. C'est pourquoi je reviens à ce psaume 131. That is why I'm returning back to this psalm. Que je ne me lève, je ne cherche pas des choses trop élevées pour moi. I do not seek things that are too elevated for me. Mais je vais me contenter de ce que tu me donnes. But I want to be content with what you give me. Et cela est très important dans les temps dans lesquels nous vivons. And this is very important in the time that we are living in. Vous savez, ce n'est pas que je n'ai pas choisi ce message comme ça, disons, on va aller à l'église, on va écouter ceci, c'est moi qui choisis. It's not that I chose this message like this and I said we will go to church and listen to this. Mais Dieu nous met sur le cœur ce qu'il faut prêcher. But God puts on our hearts what we must preach. En fonction des besoins du moment. In regard or in function with the need. Mon frère qui est là au fond, frère, comment dire, mon frère Joseph m'a dit que dimanche passé. My brother said to me that last Sunday. Alors que j'ai prêché sur ce Hébreux 10, 19 et la suite. While I was preaching upon Hebrews chapter 10 and verse 19 and the following. À Nottingham, frère William prêchait la même chose. In Nottingham, brother William was preaching the same thing. J'étais assez étonné, mais je n'ai pas écouté cela. I was so surprised, but I did not listen to this. Mais Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. But God does what he wants when he wants to. Je vais dire ceci. I will say this. Je ne me mêle pas souvent de ce genre de choses, car je préfère rester dans mon coin. I don't get involved in these certain things. I like to say. Well, les gens sont agités pour le moment. People are agitated for the moment. À cause de l'âge avancé de notre frère Frank. Because of the age of our brother Frank. Yeah, l'âge avancé, oui. His old age of brother Frank. Alors, on nous a lu un message dimanche de sa part. So he read to us a message on Sunday on brother Frank's behalf. Il disait qu'il ne faut pas s'accrocher aux hommes. And he was saying, you must not cling to a man. Mais il a dit que mon ministère, j'ai toujours cherché à vous faire voir Christ. Amen. Et ça, c'est vrai. Amen. He said that in his ministry, he has always sought Amen. To make you look to Christ. Parce que beaucoup de gens sont troublés. Because many people are troubled. Si frère Frank s'en va, si frère Frank s'en va. If brother Frank goes, if he goes. Si c'est la volonté de qu'il parte, maintenant il partira. If it's the will of God for him to go, he will go. Si ce n'est pas la volonté de qu'il reste avec nous, il va rester encore davantage. But if it's the will of God for him to remain with us, then he will remain even. Abraham, il croyait qu'il était vieux. But Abraham thought that he was old. Mais il a vécu plus que ce qu'il pensait. But he lived for longer than what he thought. Et il a eu encore plus d'enfants que ce que le seul Isaac qu'il avait. And he had more children than Isaac. Voyez-vous, Dieu est capable de faire ce qu'il veut. God is able to do what he wants to do. Mais l'Église Dieu vivant. But the Church of the Living God. Ne restera jamais orpheline ou
sans père, sans quelqu'un pour la diriger. Will never be an orphan or without a father to lead them. Dieu aura toujours de véritables témoins sur la terre. God will always have true witnesses on the earth. Ce que Dieu nous demande aujourd'hui, what God asks of us today, c'est de pouvoir vraiment nous approcher de lui avec des cœurs sincères. Is to truly draw near to him with sincere hearts. Yes. C'est de pouvoir les servir avec en vérité et avec en esprit. Is to truly serve him in spirit and in truth. Le temps est très avancé. The time has gone forward a lot. Je ne sais pas comment est-ce que le frère Frank connaissait toutes ces prédications qu'il a prêchées par cœur. I don't know if Brother Frank knows all these preachings by heart. Parce que le message même qu'ils ont donné dimanche sur Malachi chapitre 3. Because even the message that was given in Sunday from Malachi chapter 3. Était tellement approprié avec ce qu'il disait. Was so appropriate with what he was saying. Et avec ce que nous sommes en train de prêcher maintenant. And with what we are preaching now. Je me suis dit, est-ce que Seigneur, ce sont des hasards? I said, Lord, is this by chance? Je ne crois pas qu'il y ait du hasard dans le domaine de Dieu. I do not believe that there is any chance in the domain of God. Vous savez, quand l'apôtre Paul parle de ces choses, when the apostle Paul speaks of these things, qui concernent des fois la façon dont nous les hommes, which sometimes concern the way that we as men, comment dire, nous approchons des fois des dieux d'une certaine façon, we draw near to God in a certain way as men, alors nous commençons ainsi à pouvoir ainsi faire de. Oui. Attends, Wait a minute. Nous commençons à faire de ces choses un peu une application personnelle. We start to make a personal application. L'apôtre Paul, quand il parle quand je parle de Seigneur Patron, donc des frères de Corinthe, aux frères de Corinthe. I think I was speaking about this not too long ago, but when the apostle Paul was speaking to the brethren in Corinth, il leur parlait de la façon dont des fois les frères oublient qui les a appelés. He was speaking to them about the way how the brothers forget who called them. Et commence ainsi à faire de préférence entre frères tels et frères tels, les ministres. And start to make preferences between this brother and that brother, the ministers. Nous avons parlé de cela dans 1 Corinthiens chapitre 3 et 4. We spoke about this in 1 Corinthians chapter 3. Reprenons 1 Corinthiens chapitre 3. Let us go back to 1 Corinthians chapter 3. Dis pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Je vous ai donné, dis-le, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, and are ye not carnal and walk as men? Car l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? For while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Prenons chapitre 4, le verset 7. Let us take chapter 4, verse 7. Il dit ceci. It says, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? For who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Oui, bien-aimé, c'est Dieu qui nous distingue. Do you see, beloved, it is God who distinguishes us. Nous pouvons prêcher le même thème. We can preach upon the same theme. Mais Dieu qui fait la différence. But it is God who makes a difference. Un frère parle d'une certaine façon. One brother speaks in a certain selon way. Selon la façon dont l'Esprit l'utilise. According to the way that the Spirit uses it. Un autre parle d'une autre façon. Another speaks in another way. Selon la façon dont l'Esprit l'utilise. According to the way that the Spirit uses it. Mais on dit ceci. But it says, qui est-ce qui te distingue?
Who is the one who differs you from another? Qui est-ce qui fait que tu es différent de l'autre? Who makes you different from another? Et si cela est ainsi, and if this is so, pourquoi te glorifier? Why do you glorify pourquoi yourself? Pourquoi t'élever? Why do you elevate c'est yourself? C'est très important. Pourquoi j'ai dit ça? It's very important, but why am I saying this? Nous savons que nous avons reçu un message puissant. We know that we have received a powerful message. Et selon les Saintes Écritures, and according to the Holy Scriptures, c'est le dernier message à l'Église des Nations. It's the final message to the Church of the Nations. Quand ce message est venu, when this message came, trouvant l'Église bien sûr dans des conditions assez déplorables, finding the Church in conditions that were qui étaient mauvaises, that were bad, ainsi l'Esprit a dit ceci, the Spirit said, que l'Esprit d'Élie viendra. That the spirit of Elijah shall come, et ramènera le cœur des enfants vers le Père. And bring back the hearts of the children to the fathers. Et cela en conformité avec les Écritures. And this in conformity with the Scriptures. Et c'est, vous connaissez, c'est Malachi chapitre 5, chapitre 4 plutôt, versets 5 et 6. And we know that this is in Malachi chapter 4, verse 5 and 6. La parole de Dieu dans ce temps-ci, the word of God in this time, c'est pour ramener les enfants de Dieu, is to bring the children of God, à la connaissance véritable de qui est Christ, to the true knowledge of who Christ is, en conformité avec la doctrine apostolique, in conformity with the apostolic doctrine, car il nous a dit que nous avons été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. For it tells us that we have been edified upon the foundation of the apostles. Nos pères dans la foi, ce sont les apôtres. Our fathers in the faith are the apostles. C'est pour ça que vous avez même aujourd'hui, on dit l'église apostolique et pentecôtiste, c'est tout ça, c'est pour ramener à la doctrine des apôtres. And that is why today there are churches who are called the Church of the Apostles. But all of this is to bring you back to the teachings of the Apostles. Et nous devons veiller soigneusement sur nos âmes. And we must watch carefully over our souls. Afin de voir si réellement nous avons nous-mêmes été ramenés sur cette base, sur cette fondation. To see if we truly have been brought back upon this foundation. Frère Branham dit, quand quelqu'un a été ramené dans cet endroit-là, but the Branham was saying that when somebody has been brought back to that place, lui-même. He knows it himself. Il sait que Dieu l'a ramené, il est sur le rocher. He knows that God has brought him back and he is upon the rock. Et je crois que cela est la vérité. And I believe that this is the truth. Quand Jacob, when Jacob, avec toutes ces bénédictions qu'il avait chez son oncle Laban, with all the blessings that he had with his uncle Laban, il savait que quelque chose manquait à son témoignage. He knew that something was missing from his testimony. Et jusqu'à ce qu'il arrive là-bas à Peniel. Until he arrived in Peniel. Quand il est arrivé à Peniel, when he arrived in Peniel, c'était la question de vie ou de mort. It was a question of life or death. Et Dieu l'a rencontré là-bas cette nuit-là. And God met him that night. Et quand ils se sont battus toute la nuit, and when they fought for all the night, quand Dieu voulait le quitter, when God wanted to leave him, il a dit, bénis-moi. He said, bless me. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Parce qu'il savait que quelque chose lui manquait. I will not leave you until you bless me, because he knew that something was missing. Et quand cela a été fait, and when this was done, et que Dieu l'a béni, and God blessed him, personne ne pouvait lui dire qu'il manquait la bénédiction. Nobody could tell him that he was lacking the blessing. On pouvait se moquer de lui. They could mock him. Qu'il était en train de boitiller. Whether he was limping. Qu'il était en train de marcher. Qu'il était différent. Whether he was different. Mais la chose est que, but the thing was il that, savait maintenant ce qu'il avait. He knew what he had. La même chose pour, Nicodème. The same thing for Nicodemus. Nicodème est venu de nuit auprès du Seigneur. Nicodemus came to the Lord. Il connaissait la parole. He knew the word. Mais il savait que quelque chose lui manquait. But he knew that something was missing. Il a dit, Seigneur, and he said, Lord, toi tu as les paroles qui donnent cette vie-là. You have the word that gives life. Jésus lui a dit, tu te manques la nouvelle naissance. Jesus said, you are lacking the new birth. Dit, comment est-ce que je peux naître de nouveau? And he said, but how can I be born again? Il savait que quelque chose lui manquait. He knew that something was missing. Tout véritable croyant, every true believer, sait ce qui lui manque. Knows what is missing. Oui, il y a quelque chose en lui qui dit que quelque chose te manque. Or there is something within that person which says something jusqu'à is missing. Jusqu'à ce que vous rencontrez le Seigneur, until you meet the Lord, vous serez dans le besoin. You will be in need. Vous serez en train de chercher quelque chose. You will be seeking for something. Et c'est pour ça que dans ces derniers temps, and that is why in this, un prophète a été envoyé.
a prophet was sent. Nous reviendrons beaucoup sur ce genre de choses. We will come back a lot upon these things. Parce que comme j'ai dit, même si nous sommes peu nombreux, because as I said, even though we aren't numerous, nous commencerons à prêcher le message d'aujourd'hui. We will start to preach the message of today. Car c'est ça qui fait notre différence. So that is what makes our difference. C'est que Dieu a dit aujourd'hui. What God has said today. Nous n'allons pas toujours prêcher le message évangélique. We will not always preach the evangelic message. Nous toucherons de temps en temps à la doctrine fondamentale. Sometimes we will touch upon the fundamental doctrine. Parce que sans la véritable doctrine, because without the true doctrine, le peuple ne peut pas être édifié. The people cannot be edified. Car Dieu a donné tous les ministères. For God gave all the ministries. Afin que l'Église puisse être édifiée. So that the church may be edified. Pour atteindre la stature de l'homme parfait. To reach the stature of the perfect man. Et c'est pour ça que dans ce comme je le disais tout à l'heure. And that is why, as I was saying earlier, les gens sont troublés. The people are troubled. À cause des nouvelles qui viennent de Krefeld. Because of the news that is coming from Krefeld. Nous croyons que l'enlèvement va avoir lieu. We believe that the rapture will take place. Nous croyons que notre frère Franck sera dedans. We believe that our brother Frank will be there. Et je veux croire aussi que moi je serai dedans. And I also want to believe that I will be there. Que cela vienne avant son départ. Whether this happens before ou après son départ. Or after his ça ne change rien à la chose. It will not change anything. Moi je regarde à Christ. I look to Christ. Et c'est là où tous les croyants devraient regarder. And this is where all the believers must look. Afin d'avoir la paix dans leur cœur. So that you may have peace in your heart. Et c'est pourquoi revenons vers Hébreux chapitre 10. And that is why returning back to Hebrews chapter 10. Il est dit ceci. It says. Ainsi donc, frère, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Bien-aimés frères, beloved brothers, il y a une chose très importante. There is something very important. Frère Branham dit quelque chose, je le prie pour quelqu'un note ici. Brother Branham said something, and I just made a few notes here. Il dit que... He said... Oui. Yes. Que la foi a un endroit solide, fort, où elle se repose. That faith has a solid or strong place where it rests. Votre foi doit avoir, on dit dans la parole de Dieu, c'est une ferme assurance. In the word of God, it says that faith is a firm assurance. C'est quelque chose sur lequel vous vous reposez. It's something in which you rest upon. Et vous savez que autour de vous, rien ne pourra plus vous ébranler ou vous troubler. And you know that around you, nothing can shake you or trouble you. Et si on dit que la foi a un endroit solide de repos. And so it says that faith has a solid place to rest itself. Et cet endroit, c'est la parole immuvable ou immuable de Dieu vivant. And this place is the immovable word of God. En quelque sorte, ça veut dire ceci. In other words, this means... Vous êtes arrivé à connaître la parole de Dieu. You have... you came to a place where you know the word of God. Que cette parole vous protège dans tout ce que vous faites. That this word protects you in all that you do. Et que vous avez accès à toutes les promesses de Dieu qui sont dans cette parole. And that you have access to all the promises of God that are in this word. Et vous savez que aucun démon, aucune puissance ne peut vous troubler parce que vous êtes avec Dieu. And you know that no devil or no power can trouble you because you are with God. C'est très important. It's very important. Ça, c'est la foi véritable. That is the true faith. Vous savez, quand Moïse est allé en Égypte, do you know that when Moses went to Egypt, il est arrivé d'abord au désert là-bas avec Dieu à la montagne. First he was there in the desert with God in the mountain. Dieu voulait lui montrer sa puissance. God wanted to show him his power. Il dit quand il ira devant les pharaons. He said when you will go before Pharaoh. Les pharaons allaient chercher certainement l'impressionner par sa puissance. And the pharaohs will certainly go and get the impressionner to impress him by his power. Alors il dit, jette ton bâton par terre.
And he said, so throw your staff on the ground. Et le bâton est devenu un serpent. And the staff became a serpent. La Bible nous dit ceci. The Bible says que Moïse commençait à fuir. That Moses started to flee away. Moïse commence à fuir devant les serpents. Moses started to flee in front of the serpent. Il n'avait jamais vu une chose comme ça. He never saw something like this. Comment est-ce que le verset? Attends, le verset. Je vais juste lire cela comme ça. I just want to read this. Le vers, chapitre 4. Chapter 4. Verset 2. Verse 2. L'Éternel dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. And the Lord Exode, said, Exode 4, verset 2. Exodus chapter 4, verse 2. And the Lord said unto him, what is that in thine hand? L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent et Moïse fuyait devant lui. And he said, a rod. And he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground and it became a serpent. And Moses fled from before it. Si ce serpent avait mordu Moïse, if this serpent had bitten Moses, il pouvait le tuer. C'était un véritable serpent. He could kill it. It's a true serpent. C'était pas un serpent en plastique. It was not a plastic C'était serpent. C'était un véritable serpent, même venimeux. It was even a venomous serpent. C'était un serpent puissant. It was a powerful serpent. Quand vous voyez que quand il va arriver en Égypte, but you will see that when you will arrive ce serpent va se battre contre des autres serpents. This serpent will fight against two other serpents. Et il va les détruire. And he will destroy them. Et Moïse fuyait devant le serpent. And Moses fled from the serpent. L'Éternel dit à Moïse, and the Lord said to Moses, calmly, et dans ta main, put forth thine hand, saisis-le par la queue, and take it by the tail, pas par la tête, not par by la head, queue, by the tail. Et il étendit la main et le saisit. And he put forth his hand and et le serpent redevint une verge dans sa main. And it became a rod in his hand. Voyez-vous la chose? You see, Dieu voulait montrer à Moïse sa grandeur. God wanted to show Moses his greatness. Pour que quand il se tiendra devant Pharaon, so that when he will stand before Pharaoh, il sache que c'est lui qui avait changé les bâtons en serpent. He knows that the one who changed the staff to a serpent était avec lui en toutes choses. Was with him in all things. En ce que quand Moïse est arrivé devant Pharaon, so that when Moses went before Pharaoh, et qu'il a jeté finalement la verge devant Pharaon, and he threw the staff before Pharaoh, Moïse n'a pas fui. Moses did not run away. C'était le même serpent. It was the same Mais serpent. Maintenant, il savait qu'il avait le pouvoir de contrôler le serpent. But now he knew that he had the power to control the serpent. Bien-aimé, je veux, j'ai oublié le message, mais frère Branham a eu une expérience. Beloved, I've forgotten the message, but Brother Branham had an experience. Où il y avait les démons qui étaient venus contre lui. Where there were demons that came against sous him. Sous la forme d'un serpent. In the form of a serpent. Dieu lui dit, tu as le pouvoir de les contrôler. God said, you have the power to control it. Mais le serpent était tellement puissant. But the serpent was so powerful. Mais Dieu lui dit, tu as le pouvoir en toi de contrôler ce serpent. But God told him, you have the power to control the Et serpent. Et il l'a fait. And he didn't. Il l'a fait en par la foi. And he did it by faith. Mais maintenant, allons doucement. Je vais aller doucement avec ce message. But now let us go slowly. I will go slowly with this message. Moïse n'a pas tremblé devant les serpents, devant Pharaon. Moses did not tremble before the serpent or Et ce qui s'est passé, and what happened, c'est que Pharaon a dit, je suis capable de faire la même chose. Is that Pharaoh said, I'm able to do the same thing. Je suis capable de vous montrer que I'm able to show you that le Dieu des Hébreux, the God of the Hebrews, n'est pas plus puissant que mon Dieu, is not more powerful que mes dieux, pardonnez-moi, than my gods in plural. La question qui est ici, the question that is here, est que vous puissiez avoir quelque part un endroit où reposer votre foi. Is that you may have a place somewhere to rest your faith. Notre foi ne dépend pas de ce que l'autre en face nous dit. Our faith does not rest upon what our celui, opposition says. Yes, notre foi repose sur celui qui nous a envoyé nous a dit. Our faith rests upon what the one who sent us told us. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. And this is where we are today. Avec cette parole. With this word. Beaucoup l'ont entendu. Many heard it. Beaucoup ont entendu beaucoup de prédications. Many heard many preachings. Même beaucoup de prédicateurs ont beaucoup prêché là-dessus. Even many preachers have preached. Et eux-mêmes ne l'ont pas saisi. And they themselves have not understood. Mais à ceux qui ont reçu cela réellement, but to those who have truly received Dieu leur a donné quelque chose que le monde ne peut pas leur enlever.
God gave them something that the world cannot take away from them. Donc, la foi chrétienne. So the Christian faith est basée solidement is firmly based sur le repos. Upon rest. Saisissez bien. Understand this well. La foi véritable d'un chrétien, the true faith of a Christian, se repose rests sur l'œuvre accomplie. Upon the accomplished. Je n'ai rien d'autre à faire. I have nothing else. Tout est déjà fait pour moi. All has already been done for la me. La foi d'un chrétien, the faith of a Christian, est basée sur quelque chose terminé. Is based upon something that is finished. Christ sur la croix de Golgotha. Christ on the cross of Golgotha. A dit que tout est accompli. Said all is finished. Et même quand nous lisons en ce qui concerne nos maladies. And when we read in what concerns our sickness. Il a dit que c'est lui qui guérit toutes nos maladies. It says that he is the one who heals all of our sickness. Donc tout nous est déjà donné. So all has been given to la us. La foi véritable. The true faith. Est basée sur une chose. Is based upon something. Qui est seulement de étendre ta main et prendre. That is only just for you to stretch out your comme hand. Comme pour Moïse. As for Moses. Prends et tends ta main, c'est tout ce qu'on te demande. Stretch out your hand. Crois seulement. But only believe. Ça veut dire c'est là. Et tends ta main. Crois seulement. Stretch out your hand. Tout est possible à celui qui croit. All is possible to the one that believes. La foi est basée sur cette chose-là. Faith is based upon this. Et c'est pour cela que. And this is why. Nous sommes maintenant devant un grand problème. We are before a great problem. Nous avons lu dans le je reviens, soit ces messages sont en, c'est le même message. Dans le comment dire dans le psaume 131, revenons. In Psalm 131. C'est là où nous avons traîné longtemps. This is where we spent a lot of time. On dit, Éternel, je n'ai ni un cœur qui semble ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. It says, Lord, my heart is not haughty. Nor mine eyes lofty, neither do I exercise myself in great matters or in things too high for me. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant, c'est vrai, qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme calme. Non, j'ai l'âme comme un enfant, c'est vrai, pardon. Surely I have behaved and quieted myself, as a child that is weaned of his mother. My soul is even weaned, is even as a weaned child. Frère Branham dit encore une chose. Brother Branham said something again. Il dit qu'un chrétien he said that a Christian n'est pas quelqu'un qui est agité. Is not somebody who is agitated. Il dit qu'il ne court pas d'une place à l'autre. He says he does not run from one place to another. Il n'est pas en train de pouvoir s'agiter et fulminer comme ça. He is not agitated. Et en train d'être inquiet à propos de tout un tas de choses. And is worried by so many different things. Un chrétien est au repos. A Christian rests. Tout est terminé. All is finished. Tout est fini. All is finished. Pour le croyant. For the believer. Au Calvaire. And at Calvary. Il est un chrétien. Maintenant c'est nous. Nous allons nous regarder, nous qui sommes ici. He says, a Christian, and now we are looking at ourselves. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui est ballotté. A Christian is not somebody who is, tossed about. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de... comment ça va se passer comme... Vous voyez dans le film de Cécile Demille. A Christian is not somebody who asks themselves some questions, but what is going to happen? Yeah, comme dans le film Les Dix Commandements de Cécile Demille. Like in the film of the Ten Commandments. Il a mis une femme là à la mer rouge. He put a woman there at the Red Sea. Et j'ai dit, Seigneur, ça c'est vraiment la représentation de l'épouvante. And I said, Lord, this is truly the... She's figuring the l'épouvante, c'est quoi dire? Hein? Yeah, la peur. She is the representation of fear. Oui. La vie parole, elle a en fait communiqué bon, dans les films la peur à toute l'assemblée. When she saw Pharaoh coming, she communicated fear to all of the assembly of Israelites. Mais la comment dire, les chrétiens véritables. But the true Christian ne se comporte pas comme ça. Does not behave like this. Vous savez, il est la l'apôtre Paul parla aux frères de Corinthe, de Philippe, pardon. The apostle Paul was speaking to the brethren in Philippe. Il leur dit ceci, chapitre 1 de Philippe. Chapter 1
of Philippians, il dit ceci, it says, le verset 29, verse 29, dit, même verset 28, commençons verset 28 jusqu'au verset 29, even verse 28 to verse 29, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. And in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation and the heart of God. Et cela vient de Dieu. And now he says, for unto you it is given in behalf of Christ. Même quand les adversaires sont en train de vous acculer, even when your adversaries are circling you, on dit, cela vient de Dieu, a permis qu'ils puissent faire cela. The Bible says that God permitted them to do that. Car il vous a été fait la grâce, écoutez, for the grace was given to you, par rapport à Christ, in behalf of Christ, non seulement de croire en lui, not only to believe on him, mais encore de souffrir pour lui, but also to suffer for his sake. Dieu vous a mis l'adversité au devant de votre chemin. God put the adversity in your way, afin de vous perfectionner. To perfect you. Toutes ces choses viennent de Dieu. All these things come from God. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? Who can nothing can happen without God accepting? Yes. Qui pourra dire que Dieu cette chose arrive sans que Dieu l'ait su? Nothing can happen without God knowing it. Qui pourra dire que vraiment on m'a frappé sur la joue et Dieu ne savait pas qu'on allait me frapper sur la joue? Who could have said that I was going to be slapped on the cheek without God knowing that that was happening? Quand il a appelé l'apôtre Paul, Saul de Tarsus, à ce moment-là. When he called the apostle Paul, who was Saul of Tarsus, il dit à Ananias, he said to Ananias, va vers cet homme. Go toward this man. Car c'est un instrument que j'ai choisi pour mon service. For he is an instrument that I have chosen for myself. Et je lui révélerai les choses pour lesquelles il va souffrir à cause de mon nom. And I will reveal to him the things that he will suffer for my name. Il n'a pas été seulement appelé pour montrer aux païens le plan de Dieu. He was not only called to show to the Gentiles the way of God, or the mais aussi God, pour souffrir pour Christ. But also to suffer for Christ. Et si vous lisez dans Philippiens chapitre 1 ici, le verset avant, le verset 29. And if you read in the book of Philippians chapter 1, the verse before 29. Il dit, Christ est ma vie. He says, Christ is my life. Et mourir m'est un gain. And to die is to gain. Que ce soit dans cette vie ou dans ma mort. Whether it's in life or in death, je vais glorifier Christ. I will glorify Christ. Donc il y a une chose qui est là très importante. So there is something that is very important here. Un chrétien, quand il est appelé par Dieu, when a Christian is called by God, il y a un mélange. There is a mixing de souffrance. Of suffering. Et quand je parle de souffrance, and when God speaks of suffering, ça veut dire souffrance. It means suffering. Et il y a aussi un lot. And there is also a part. De joie et de bonheur. Of joy and happiness. Donc il y a la souffrance et il y a la joie, le plaisir. So there is suffering and there is pleasure or joy. Mais on dit que ces souffrances ou nos épreuves, but it says that these sufferings or our trials, sont plus précieuses que l'or, are more precious than gold. Donc Dieu a mis ces choses pour nous amener à savoir qui il est. So God gave us these things to make us know who he is. C'est pour ça qu'elles sont plus précieuses. That is why they are more precious. Alors c'est pour ça que pour pouvoir maintenant passer au travers de ces épreuves, but to be able to go through these trials, vous avez besoin de la foi. You need faith. Et pour avoir la foi, and to have faith, la véritable foi, the true faith, vous avez besoin d'écouter la véritable parole. You need to listen to the true word. Car la foi vient de ce qu'on entend. For faith comes from what we hear. D'entendre la parole de Christ. And what we hear from the word of Christ. Et cela, bien-aimé, n'est donné qu'au travers des véritables envoyés de Dieu. And this, beloved, is given only through the true. C'est pour ça que vous voyez, il y a tellement d'églises dans le monde aujourd'hui. That is why we see that there are so many churches in the world. Mais il n'y a pas beaucoup de chrétiens sur la terre. But there are not many Christians on the earth. You say, but Brother Paul, les églises sont remplies. The churches are full. Les églises sont remplies de religieux. The churches are filled with religious people. Mais les véritables enfants de Dieu, but the true children of God, c'est un petit troupeau. Is a small, c'est une minorité. Is a small minority. Ainsi, le chrétien n'est pas quelqu'un qui est en train d'être agité tout le temps. So Christians are not those who are agitated all the time.
Mais le chrétien, c'est quelqu'un qui a trouvé un endroit où il peut dire vraiment je suis tranquille. But a Christian is somebody who can say that they found a place where they are calm. Avez-vous jamais entendu l'histoire du cantique ici, It is well? Have you ever heard the story of the hymn It is well with my soul? Oui, c'est bien avec mon âme. It is well with my soul. On m'a raconté, je crois que je l'ai lu, on m'a raconté, pardonne-moi, je ne me rappelle pas très bien, mais je connais l'histoire. I think I read it, all the story was told to me, but I know the story well. C'était une famille qui avait quitté l'Europe pour aller aux États-Unis. It was a family who had left Europe to go to the United States. Quand il y avait encore, quand ces gens quittaient ici pour aller dans le nouveau monde là-bas en Amérique. When the people were leaving here to go to the new world in America. Et vous savez qu'ils sont partis surtout à cause de la persécution qui était ici des catholiques contre les protestants. And you know that they left especially because of the persecutions that was happening here from the Catholics to the Protestants. Alors arrivés maintenant en Amérique. So now arriving in America, après quelque temps, la femme de ce frère qui a écrit les cantiques. After a while, the wife of this brother that wrote him. Avec tous les enfants. With all the children. Ont voulu revenir en Europe pour visiter leur famille qui était restée en Europe. Wanted to return to Europe to visit their family who was in Europe. Et ils se sont embarqués sur des bateaux. Il n'y avait pas encore d'avion. C'était des bateaux par les moyens des bateaux qu'on voyageait en ce moment-là. And they went onto the boat to go back home. For in that time, there were no planes. It was just boats. Et sur le chemin, le bateau a coulé. And along the way, the boat sank. Et la femme et tous les enfants, tout le monde avait été noyé. And his wife and his children all passed away. They all drowned. Et c'est comme ça que cet homme finalement écrit les cantiques. And that is how this man finally wrote the hymn. Même si j'ai tout perdu. Even if I have lost everything. J'ai tout perdu tout ce que j'avais. I've lost all that I had. Mais c'est en ordre avec mon âme. But my soul is in order. Mon âme est au repos. My soul is resting. It is well with my soul. It is well with my soul. Et c'est là, bien-aimé, c'est là où nous sommes en, comme en revenant sur ce message de je ne m'occupe pas des choses trop élevées. And this beloved, returning back to the message of not occupying myself. J'ai l'âme calme et tranquille. My soul is calm and quiet. Nous avons besoin d'arriver à cet endroit. We need to reach this place. Où notre marche ne dépend pas qu'il fasse chaud dehors et qu'il pleuve. Where our walk does not depend upon whether it is hot or cold or raining outside. Qu'il y ait la neige ou qu'il y ait la sécheresse. Or whether there is snow or there is a drought. Mais notre foi repose sur ce que Dieu a dit. But our faith rests upon what God said. Notre foi repose sur la certitude de notre salut. Our faith rests upon the certainty of our salvation. Nous ne sommes pas en train de dire si l'enlèvement arrive aujourd'hui. We are not saying to ourselves, but if the rapture happens today, est-ce que je serai dans l'enlèvement? Will I be in the rapture? C'est lui qui a la foi véritable. The one who has the true faith. Il attend le retour du Seigneur avec joie. He waits for the return of the Lord with joy. Il parle avec le Saint-Esprit. He speaks with the Holy Spirit. Non, il dit en même temps qu'avec le Saint-Esprit. He says at the same time with the Holy Viens, Spirit. Viens, Seigneur. Come, Lord. C'est ce qui est dit dans Apocalypse 22. That is what is written in je crois que c'est le verset 11, n'est-ce pas? Je crois que c'est le verset 11. I think it's verse 11, if I'm not mistaken. L'Esprit et l'Épouse disent. The Spirit and the Bride say. Chapitre 22, c'est la fin du chapitre. Chapter 22, it's the end of the chapter. Non, c'est le verset 17, pardonnez-moi. Verse 17, pardon me. Et l'Esprit et l'Épouse disent, ils parlent le même langage. And the Spirit and the Bride say, they speak in the same language. Viens. Come. Donc, l'Épouse n'a pas peur. So the Bride is not afraid. Au contraire, il attend ce moment avec joie, avec impatience, car ça va arriver. Forgive me to say this, but she is waiting for it with impatience, wondering when will it happen. Et que celui qui entend dise, viens. And he let him that heareth. Et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. And let him that is athirst come, and whosoever will, let him take the water of life freely.
Ce n'est pas que nous sommes, est-ce que j'irai dans l'enlèvement, je n'irai pas. It's not that we ask ourselves the question, will I make it to the rapture? Est-ce que je suis un enfant de Dieu ou je ne le suis pas? Am I a child of God or am I not? Est-ce que j'ai le baptême du Saint-Esprit ou je ne l'ai pas? Do I have the baptism of the Holy Spirit or normalement, not? Normalement, si vous êtes enfant de Dieu, vous devez le savoir. Amen. Normally, if you are a child of God, you must know it. Car la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit, à ton esprit, au mien. For the Spirit gives testimony to your spirit. Que nous sommes enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. That I am a child of God. Que je ne peux pas être perdu. That I cannot be lost. C'est pour ça que maintenant. That is why now. J'ai l'esprit calme et tranquille. My spirit is calm and quiet. Car je suis au repos. For I'm resting. Peut-être je n'ai pas de l'argent pour faire ceci ou cela. Maybe I do not have money to do this or that. Peut-être je n'ai pas tout ce que je voudrais avoir dans ce monde. Maybe I do not have all that I desire. Mais mon esprit est calme et tranquille. But my spirit is calm and quiet. Je suis au repos en ce qui concerne ma relation avec Dieu. I'm at rest in what concerns my relationship. Et c'est ce que l'apôtre Paul a parlé quand il parlait aux frères de Rome. And that is what the apostle Paul said when he speaking to the Romans. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus Christ. He said that there is no condemnation for those that are in Christ Jesus. Romains 5. Romans chapter 5. Car ils sont Romains 5. Romans chapter 5. Pardonne-moi de donner ces choses. Forgive me to give you these things. Il dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Et maintenant, il va au Romains chapitre 8. And now let us go to Romans chapter 8. Il dit, il n'y a donc maintenant pas demain. He says, there is therefore now, not tomorrow. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. No condemnation to them which are in Christ Jesus. Donc, quand vous êtes condamnés, so when you are condemned, vous le savez. You know it. Car il dit, si notre cœur ne nous condamne pas. So the Bible says, if our hearts do not condemn us. Mais les véritables enfants de Dieu. But the true children of God. Vivent dans la paix avec Dieu. Live in peace with God. Étant donc justifiés par la foi. Being justified by faith. Nous avons la paix avec Dieu. We are at peace with God. Christ est notre paix. Christ is our peace. Et si c'est pour ça que. And that is why. Frère, alors que nous attendons le retour du Seigneur. While we are waiting for the return of the Lord. Et que les gens s'agitent pour ce qui se passe en Allemagne, etc., etc. And people are agitated by what is happening in Germany. Cherchons à avoir la certitude que nous sommes enfants de Dieu. Seek to have the certainty that you are a child of God. Notre salut ne dépend pas de frère Frank. Our salvation does not depend on brother Frank. Ne dépend pas de frère Branham. Neither depend on brother Branham. Ni de Moïse. Neither from ni de Josué. Or on ni de qui que ce soit d'autre. Or anybody else. Notre salut dépend de Christ Jésus. Our salvation depends on Christ Jesus. C'est pour ça étant arrivé dans ces moments-ci, bien-aimés. That is why in arriving at this moment. Que ce soit les frères dans le ministère. Whether it is the brethren in the ministry. Que ce soit les bien-aimés qui sont qui croient ce message du temps de la fin. Whether it is the beloved who believe in this message. L'Église arrivée à sa maturité. The church has reached its maturity. Nous devions marcher avec un seul cœur. We must walk in, with one heart. Une seule âme. One soul. Marchant d'un commun accord. Walking in accord. Ayant des cœurs propres devant Dieu. Having hearts that are clean before God. Nous aimons d'un amour sincère. And loving one another with a sincere love. Sans hypocrisie. Without hypocrisy. Sans la méchanceté. Without wickedness. Nous avons lu dans le psaume 50, n'est-ce pas? Je ferai encore relire cela si on le veut, mais on continue d'abord comme ça. We read in Psalm 50. We can read it if you desire, but we will continue. Quand nous avons vu qu'il y a Dieu, dimanche passé, on nous a parlé de ces deux groupes, les groupes qui parlaient devant Dieu, qui se plaignaient. We read about these two groups. There was one group that was speaking before God and complaining. Et un livre des souvenirs avait été écrit auprès du Seigneur. And a book of remembrance was written before the Lord. Pour ceux qui aiment Dieu, qui le craignent. For those who love God and fear Him. Parce qu'il disait, oh Dieu, regarde les hautains, ils prospèrent. Nous avons perdu notre temps à pouvoir te servir. Because they were saying, Lord, look at the haughty. They are. Ils prospèrent. Ils sont bien.
They are prospering and they are good. Mais nous, nous avons perdu notre temps pour pouvoir ainsi te craindre. And we have lost our time in fearing you. Dieu dit maintenant, vous allez voir la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. And God said, you will now see the difference between the one that serves me and the one who doesn't serve me. Il y a ces deux groupes dans l'église. There are these two groups in the church. Il y a le chrétien intellectuel. There is an intellectual Christian. Et il y a celui qui a l'expérience dans son cœur. And there is the one who has the experience in their heart. Et ces deux groupes sont très différents. And these two groups are very different. Et c'est là où nous venons maintenant en disant, il est temps pour chacun d'entre nous. And this is where we have come to the time where it is time for each one of us. Que chacun puisse reconnaître si réellement il a fait une expérience avec Dieu. But each one must recognize if they have truly had an experience with God. Ou si votre expérience, votre connaissance de Dieu n'est que du domaine intellectuel. Or if your knowledge of God is only intellectual. Car cela ne vous servira rien. For that will not serve you anything. Caïphe avait une telle connaissance. Caiaphas had a knowledge. Gamaliel avait être auprès de Gamaliel, mais c'était un honneur. Gamaliel had a knowledge, and to be near Gamaliel was a honor. Mais le plus petit dans la maison de Dieu. But the smallest in the house of God. Connaissait plus que Gamaliel. Knew more than Gamaliel. Connaissait plus que Caïphe. Knew more than Caiaphas. Connaissait plus que sacrificateur Anne. Knew more than the priest. Le high priest, c'était le high priest en ce moment-là. Il connaissait plus que tous ces gens-là. The high priest in that time, but the smallest knew more than all of them. Il y a une connaissance intellectuelle. There was an intellectual knowledge. De ce que Dieu fait. Of what God is doing. Et une connaissance spirituelle. And there was a spiritual knowledge. Une expérience dans le cœur. An experience in the heart. Une fois j'ai connu un garçon. One time I knew un garçon. One time I knew a man. Quand j'ai commencé ma foi, when I started the faith, il y a longtemps de cela, there was a long time, et this happened a long time ago. Ce monsieur est venu pour, on s'est rencontré à l'université. And we met at university. Alors il me dit qu'il avait fait l'école théologique. So he told me that he went to a theological school. Il me dit, ah bon, tu as été à l'école théologique? Oui, j'étais à l'école théologique. And I said, really? And he said, yes, I went to a theological school. Et comment vous faites pour prêcher? And I said, how do you preach? Oh, il dit, c'est très facile. He said, oh, it's very easy. Quand j'ai un passage biblique, when I have a biblical scripture, je sais ce que l'histoire dit. I know what the story says. Alors je relis avec l'histoire. So I read it with the history. C'est tout. And that is all. C'est bon. I said, c'est comme ça que vous enseignez. Oui, c'est comme ça, c'est très facile. I said, is that how you teach? And donc, he said, vous devez this connaître is very ce que l'histoire a dit et puis c'est tout. So you need to just talk about what history says and that's all. Christ n'est pas dans l'histoire. Christ is not in history. Oh, bien sûr, il est dans l'histoire, dans le présent, dans l'avenir. Yes, he is in the history, in the present, and in the tomorrow. C'est ça qui fait que les gens ont une connaissance intellectuelle de qui il est. That is why people have an intellectual knowledge of who he is. Vous voyez, quand les mages sont arrivés à Jérusalem. Do you see when the wise men arrived in Jerusalem? Les scribes et les pharisiens savaient où Christ devait naître selon la connaissance qu'ils avaient. The scribes and the Pharisees knew that Christ needed to be born according to the knowledge that they had. Mais personne ne s'est dérangé pour aller à Jérusalem vérifier la chose. But no one, Non, à Bethlehem, pardonnez-moi, je l'ai dit. Personne ne s'est dérangé pour aller à Bethlehem. Nobody went out of the way to go to Bethlehem. Mais non, ça, pour eux, si Christ naissait. For them, if Christ was born. Dieu allait sonner la trompette à Jérusalem. God would sound the trumpet in Jerusalem. Et à Bethlehem. And in Bethlehem. Alors, les prêtres allaient courir pour dire, oh, le roi est venu. And the priest would run to say, oh, the king has come. Mais Dieu ne l'a pas fait comme ça. But God didn't do it like that. Dieu l'a révélé au simple de simple. God revealed himself in the simplest of simple. Et toute l'ère, même toute la vie du Seigneur Jésus-Christ. And the whole life of the Lord Jesus Christ. Ces intellectuels n'ont jamais rien saisi. The intellectual people did not understand anything. Donc il y a deux domaines. So there are two domains. Vous pouvez connaître Dieu sur le plan mental. You can understand God in the intellectual side. Le plan de la connaissance. The plan of knowledge. Ou vous êtes avec Dieu sur le plan de l'expérience. Or you are with God in the on the experience side. Yes. Et ça, c'est très différent. And that is very different. C'est pourquoi arriver dans ce temps dans lequel nous sommes maintenant. That is why in reaching this time that we are in. Frères et sœurs qui écoutaient cette parole. Brothers and sisters who listen to this word. Il est plus que impératif. It's more than imperative. Yes. Que vous puissiez connaître Dieu. That you know God. Et que vous puissiez être sûr que Dieu vous connaît. And that you are sure that God knows you. Vous devez arriver
une relation d'un père et d'un fils ou d'une sa fille. You must reach the, you must have a relationship as father and son or father and daughter. Ne venez pas comme les enfants de Séva. You're not come as the children of Cephas. Qui disait, nous vous chassons, les démons au nom de Jésus que prêche Paul. He would say, we cast out demons in the name that Paul preaches. Non, ce n'est pas comme ça. No, it's not like vous that. Vous devez avoir la même relation que Paul avait avec Jésus. Amen. You must have the same relationship that Paul had with Jesus. Pour chasser les démons correctement. To cast out the demons correctly. Vous devez être un véritable enfant de Dieu. You must be a true child of God. Et arriver au repos. And reach his rest. Arrivez ainsi à cet endroit où vous avez la garantie. And reach this place where you have the guarantee. Que les montagnes bougent. Whether the mountains move. Qu'il y ait des tremblements de terre. Or there are earthquakes. Qu'il y ait, comment on dit, des périls sur toute la terre. Or there are perils upon all the earth. C'est écrit dans les psaumes, psaume 91. C'est pas moi qui l'invente. It is written in Psalm 91. I am not the one who is. Mais que vous. Vous êtes à l'abri ou à l'ombre du Tout-Puissant. But may you be under the shelter or the shadow of the Almighty. Psalm 91. C'est pas moi qui l'invente. C'est la Bible parle de ces choses. I'm not the one who invents this, but the Bible speaks of this. Il dit ceci. It says. J'ai dit à l'Éternel. Non. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Maintenant, je saute, vous pouvez lire tout le psaume. Allons au verset 4. Verse 4. Non, verset 3 d'abord. Verse 3 first. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Qu'importe ce qui pourra arriver. No matter what may happen. Les enfants de Dieu sont protégés. The children of God are protected. Dieu même a pris l'exemple de la poule et des poussins. God himself took the example of the hen and the chicks. Il dit que j'ai voulu rassembler Jérusalem comme une poule rassemble ses poussins. He said, I wanted to gather Jerusalem as a hen gathers her chicks. Vous avez vu des fois il y a des images sur internet. You know sometimes there are images on the internet. Qui sont terribles. That are terrible. Vous avez vu, j'ai vu une poule, une maman poule. Do you see, I saw a mother hen. Qui a carrément tabassé un aigle. That beat an eagle. Allez regarder, c'est terrible. It's terrible. L'aigle venait pour pouvoir prendre les poussins. The eagle was coming to take one of her chicks. Mais je n'ai jamais vu un aigle, je veux dire un aigle tabassé, tapé par la maman poule. I have never seen an eagle beaten, and the eagle was beaten by the mother hen. Parce que quand la maman poule a ses poussins, because when the mother hen has her chicks, la peur disparaît. Fear disappears. Elle doit protéger sa progéniture. She must protect her. Her little ones. Elle doit protéger ses enfants. She must protect her children. En ce moment-là, in that moment, même si vous avez une taille comme ça. Even if you have a size or big, vous devez d'abord tuer la maman poule avant de tuer les poussins. You have to kill the mother hen first before you can kill the chicks. Et Dieu dit qu'il est comme une poule. And God says that he is like a qui rassemble ses poussins. That gathers his chicks. Alors il dit ceci. So he says, qui te délivre du filet de l'oiseau et de la peste et de ses ravages. Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Nous devons arriver à croire que la parole de Dieu est une réalité. We must believe that the word of God is the reality. Et que ce qui est mis ici, and that what is put here, ce ne sont pas des histoires pour faire dormir les gens. They are not stories to make people fall asleep. Vous savez, j'ai entendu des gens dire, se moquant de la parole de Dieu. Do you know that I've heard people mock the word of God? Dit que la parole de Dieu ou la religion, c'est l'opium du peuple. And they say that the opium, it is a drug, it is like heroin. It is a drug for the people, so it is giving them illusion. Donc la religion, la parole de Dieu, c'est l'opium du peuple. So religion or the word of God is the drug for the people. Yeah, which drug is a strong opium? It is a very strong drug. Parce qu'ils croient des choses qui ne sont pas vraies. Because they believe in things that are not true. Mais la parole de Dieu que nous croyons, but the word of God that we believe, c'est la chose la plus exacte, la vérité la plus haute. Is the highest truth. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ces choses? Why do we not see these things? Parce que les gens n'arrivent pas à croire comme il le faut. Because people do not believe as they should. Et quand tu crois,
crois cela, when you believe in this, Dieu te protège de la peste et de ses ravages. God protects you from the pestilence and of destructions. Mm-hmm. Il te couvrira de ses plumes. Verse 4, he shall cover thee with his feathers. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. And under his wings shalt thou trust. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. His truth shall be thy shield and buckler. Maintenant regardez. Now look. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Thou shalt not be afraid for the terror by night. Ça, je parle à nos frères africains qui ont beaucoup peur de cela. This I can speak to our African brothers who are very afraid of this. Oh, les sorciers, mon oncle dans le village. All the witchcraft, my uncle in oh, the village. Oh, tout des choses comme ça. All these things. On dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. It says, thou shalt not be afraid for the terror by night. Ni la flèche qui vole de jour. Nor the arrow that flieth by day. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Nor the pestilence that walketh in darkness. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Nor the destruction that wasteth at noonday. Que mille tombent à ton côté. 1,000 shall fall at thy side. Et 10,000 à ta droite. And 10,000 at thy right. Tu ne seras pas éteint. But it shall not come nigh to thee. De tes yeux récemment tu regarderas. Only with thine eyes shalt thou behold. Tu verras la rétribution des méchants. And see the reward of the wicked. Et tu peux continuer. You can continue. La parole de Dieu doit devenir réalité pour nous. The word of God must become a reality for us. Et pas des histoires. And not stories. Pas des imaginations. Not imagination. En ce moment-là, quand je sais que c'est la parole. In that moment, when you know what the word is. C'est vrai qu'alors en ce moment-là, je suis à l'ombre du Tout-Puissant. It's true then that I'm under the shadow of the Almighty. Dieu. Et alors je peux être tranquille. And then I can be calm. Dieu dit ceci de ses envois, de ses envoyés. God says this of his sent ones. Ils étaient très nombreux. Saying that they were very not très peu nombreux. They were not numerous. Et il ne permit à aucun peuple de les toucher. And he permitted that no person may touch them. Il dit, ne touchez pas à mes oints. He said, do not touch my ne faites pas de mal à mes prophètes. Do not do evil to my prophets. Quand le roi d'Égypte a pris la femme de Moïse, d'Abraham. When the king of Egypt took the wife of Abraham. Qu'est-ce que Dieu l'a frappé? God struck him. Quand les princes des Philistins le roi des Philistins a voulu prendre la femme d'Abraham. When the king of the Philistines wanted to take the wife of Abraham, God punished him. Qui est qui gardait moi Abraham? Who was keeping Abraham? Qui gardait Isaac? Who was keeping Isaac? Qui gardait Jacob? Who was keeping Jacob? Pas not themselves. Nous devons arriver au point. We must reach the point. Où nous pouvons nous tenir sur la parole. Where we can stand upon the word. Que dire comme Shadrach, Meshach, Abednego. And say like Shadrach, Meshach, and Abednego. Oh, roi Nebuchadnezzar. King Nebuchadnezzar. Le regardant bien en face. Looking him well in the face. Nous n'adorerons pas ton Dieu. We will not worship your God. Tu peux adorer tes dieux. You can worship nous your God. Nous adorons les dieux vivants. We will worship the living God. C'est dans quand vous connaissez les limites de votre parole. When you know the limit of your words. Vous êtes alors tranquille. Then you are calm. Et c'est ce que la Bible nous demande avant l'enlèvement, bien-aimé. And this is what the Bible asks of us before the rapture. Avant le retour du Seigneur, before the return of the Lord, les enfants de Dieu vont arriver à cette maturité-là. The children of God will reach this maturity. Où ils savent qui est Dieu. Where they know who is God. La valeur de la parole de Dieu. And the value of the word of God. Et la puissance qui y est contenue. And the power that it contains. Car si, pourquoi nous disons cela? Why do we say this? C'est la différence entre la religion chrétienne et les autres religions. This is different from the Christian religion compared to the other religions. Il n'y a qu'une seule religion au monde. There is only one religion in the world. Dans laquelle le père fondateur. In which the founder the est vivant. Is alive. La seule religion. The only religion. Et cette religion c'est la religion chrétienne. And this religion is a Christian religion. Amen. Christ est mort. Christ died. Et il est ressuscité. And he resurrected. Nous croyons qu'il est ressuscité. Les Juifs disent oh, non, on a volé son corps. We believe that he is resurrected, but the Jews say that they stole his body. Nous ne le disons pas seulement parce qu'il est écrit. We do not say it because it's written. Mais nous voyons sa vie se refléter au travers de nous. But we see his life reflected through us. Et c'est lui, non seulement cela. And not only this.
C'est lui qui est de Dieu. Dieu finit par se manifester à lui. The one who is of God, God manifests himself to them. Personnellement, j'ai eu le privilège. I've personally had the privilege. À diverses occasions. In diverse occasions. De voir le Seigneur lui-même. To see the Lord himself. Soit dans des visions, ou pas dans des visions, dans des songes, je voulais dire. Whether it is in dreams. Et les derniers, la dernière chose que j'ai dit, je ne sais pas, mais ça c'était un rêve ou une vision, je ne sais pas ce que c'était. And the last time, I cannot tell if it was a dream or a vision, I don't know what it was. Ça a commencé, j'étais endormi. It started, I was asleep. Je me suis réveillé. I woke up. J'étais toujours dans la même atmosphère quand j'étais dans le sommeil. I was still in the same atmosphere as when I was sleeping. C'est quelque chose, quand vous arrivez à pouvoir rentrer en contact avec Dieu. When you are able to get in contact with God. Vous ne serez plus jamais la même personne. You will no longer be the same person. Et si bien aimé. So beloved. La seule religion au monde. The only religion in the world. Dont le père fondateur est vivant. Where the founder is alive. C'est la religion chrétienne. Is a Christian religion. Les autres religions. The other religions, leurs pères fondateurs sont dans des tombes. Their founders are in tombs. Ils se décomposaient morts. They are decomposed. They've ils died. Ils ne peuvent pas être comparés à notre Dieu. They cannot be compared with our God. Mais pour nous, nous prêchons Christ. But we preach Christ. Parce que la question qui était là-haut, qui pendait, qui retenait les hommes prisonniers. For the question that kept men imprisoned. C'est le prix du rachat. Was the price of the redemption. Il fallait quelqu'un qui vienne avec le prix exigé par Dieu pour ramener l'homme de la mort. Somebody needed to come with the price that was required by God to bring man from death. Et tout le monde avait péché. And everyone had sinned. Et personne ne pouvait payer ce prix-là. And nobody could pay this price. Sauf un seul. Only one. C'est Christ qui est venu. That is Christ who came. Il est venu avec le prix exigé par Dieu. He came with the price required by et God. Quand il est venu, and when he came, on va arrêter, on va continuer après, plus tard. We will stop and we will continue. Quand Christ est venu, when Christ came, il a payé ses prix. He paid this price. Et c'est en payant, prenons d'abord Romains chapitre 4. Let us take Romans chapter 4. Il nous a dit ceci, verset 24. It non, says, commençons verset 23. It says in verse 23. Il est dit. It says. Car tous ont péché et sont privés de la gloire. Tout le monde. Tous les hommes. Les prophètes, les apôtres, tout le monde. Romains 4. Non, Romains 3, sorry. C'est faux. 3, verse 23. Romains 3. For all have sinned and come short of the glory of God. Voyez-vous, personne n'avait le prix. Nobody had the price. Du moment que tu péchais, from the moment you sinned, tu étais disqualifié. You are disqualified. Et tout le monde qui est né par la femme, and all who is born of a woman, est né dans le péché. Is born in sin. Il est né par le moyen du sexe. You are born through the way of sex. Et c'est par le sexe que le péché entre dans le monde. And it's through sex that sin entered into c'est pour the world. Ça que Christ est venu par une naissance sans sexe. That is why Christ came into a world through into the world through a birth without sex. La Vierge enfantera. The virgin shall conceive. Le fruit qui a été mangé en Éden. The fruit that was eaten in Eden. N'était pas une pomme. Was not an apple. N'était pas un abricot. It was not an apricot. N'était pas un pamplemousse. It was not a grapefruit. A grapefruit. Parce que comme il n'y avait pas de pommes chez nous en Afrique. As there were no apples in Africa. Là où nous on a grandi en Afrique du Sud, il y a des pommes, etc., etc. Là, la température est un peu douce. There were no apples, but in South Africa there are certainly apples. Alors on nous disait que les fruits qu'on avait mangés dans les parce que chez nous on avait les pamplemousses qui sont les. For us, we had grapevines, so they would tell us. Que grapefruits. Grapefruit, sorry. Et on nous disait que ce qu'ils avaient mangé c'était un pamplemousse. And what they would tell us is that Eve ate a grapefruit. Ce n'était pas vrai. This isn't true. Ce qui s'est passé en Eden, c'est qu'il y a eu un acte sexuel entre le serpent et la femme d'Adam. What happened in Eden is that there was a sexual act between the wife of Adam and the serpent. Le serpent n'était pas un reptile qu'on voit maintenant par terre. The serpent was not a reptile that we see now on the ground. C'est lui qui était entre l'homme,
les liens entre l'homme et le monde animal. He was the missing link between man and the animal kingdom. Et on dit dans la Bible que c'était l'animal le plus rusé, l'animal, pas le reptile, l'animal. And the Bible says that he was the most subtle animal. C'était pas quelque chose qui rampait par terre. He was not a reptile, something that crawls on the floor. Et le serpent pouvait parler comme un être humain. And the serpent could speak as a human being. Il n'y a aucun autre animal qui puisse parler comme un être humain. There is no other animal that can speak as a human being. Les perroquets des fois peuvent imiter. Sometimes the parrots can imitate. Les singes peuvent imiter des choses que l'homme fait. Sometimes the monkeys can imitate what man do. Mais le serpent était celui qui était le plus proche de l'homme. But the serpent was the one that was the closest to man. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il y a une semence du serpent. That is why Christ said that there is a seed of the serpent. Quand le serpent a été maudit, when the serpent was cursed, il est devenu le reptile que vous voyez par terre. He became the reptile that you see on the ground today. Mais au début, ce n'était pas un reptile, il ne rampait pas par terre. But at the beginning, he was not a reptile. He did not crawl on the floor. C'était un géant qui s'était tenu debout. It was a giant that stood up. C'était un homme costaud. He was a built man. Ainsi maintenant, il dit que tous son péché sont privés de la gloire. So now it says that all have sinned and come short of the glory of God. Pourquoi? Why? Parce que tout le monde, tout homme qui est né par le sexe est né dans le péché, dans l'acte du commencement. Because every man or person that is born in sex is born in the sin of the beginning. Verset 20, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Being freely justified by his grace. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Through the redemption that is in Christ Jesus. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Whom God have set forth to be a propitiation through faith in his blood. To declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Et s'il montre ainsi, bien-aimé, so he shows here, beloved, que le salut n'était possible qu'en Jésus-Christ. That salvation was only possible in Jesus Christ. C'est pour ça quand nous prêchons le message du salut, that is why when we preach the message of salvation, il est très important de pouvoir dire aux gens qu'il y a un homme qui est revenu de la mort. It's very important to tell people that there is a man who came back from death. Et si Christ n'était pas ressuscité, and if Christ did not resurrect, notre prédication serait vaine. Our preaching would be vain. Notre foi serait nulle. Our faith would be nothing. C'est que nous serons nous-mêmes des menteurs. Ourselves would be liars. Et même on pourrait dire que Dieu lui-même était menteur. And you could even say that God was a liar. Mais ce n'est pas possible. But that is not possible. La mort a été vaincue. Amen. Death was conquered. Les péchés, le prix a été payé. The price was paid. Dans Romains au chapitre 13, nous allons arrêter. In Romans chapter 13, il est dit ceci au verset 20. It says in verse 20. Il dit, quel est Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts les grands bergers des brebis? Par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Romans 13:20. Hebrews 13:20. Yeah. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Dieu l'a ramené d'entre les morts. God brought him from the dead. Je n'ai pas le temps, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais non, si vous êtes dans 1 Corinthiens 15, ou à partir du verset 12 de la suite, où l'apôtre Paul enfonce les coups, insiste là-dessus. You may go in 1 Corinthians 15, where the apostle Paul truly emphasizes upon this. Montrant par là que sans résurrection des morts, showing that without the resurrection of the dead, notre prédication est vaine. Our preaching is vain. Car c'est là où le prix a été payé. But that is where the price was paid. Et que la puissance de la mort du péché ont été annulées. And the power of death and sin was eliminated. C'est pour ça que nous verrons plus tard que maintenant quand il parle de nous pouvons nous avoir maintenant libre accès
And that is why much later we will speak about how we have the free access auprès du Père, before the Father, par la route nouvelle et vivante, through the new and living way. Nous pouvons maintenant aller auprès de Dieu, we may now go toward God, et vivre continuellement en sa présence, and live continually in his presence. Dans la présence de Dieu, in the presence of God, celui qui vit dans la présence de Dieu, the one who lives in the presence comme of God, les bâtons morts d'Aaron, as the dead staff of Aaron. Ce bâton est revenu à la vie. This baton came to life. Et apportait des fruits, ne pouvait plus retourner à la mort. And it bore fruit. And et celui qui vit dans la présence de Dieu, qui est rentré par ce nouveau chemin, so the one who came into the presence of God and lives in there, vit continuellement, n'a pas de hauts et de bas. Lives continually and does not have highs and lows. Il est au repos. He is at rest. Il est au calme. He is calm. Il marche avec Dieu. He walks with God. Il mange la nourriture de Dieu. He eats the food of God. Et qu'il fasse chaud, whether it is hot, qu'il fasse froid, whether it is cold, cela ne le dérange pas, it does not disturb, parce qu'il est enfermé avec Dieu. Because he is closed in with God. Il est comme Moïse quand il est allé auprès de Dieu, vous savez. He is like Moses when he went before 40 God. Jours et 40 nuits, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. For 40 days and 40 nights, he did et not eat or Moïse n'est pas mort. And Moses didn't die. Il était avec Dieu. He was with God. C'est Dieu qui le nourrissait d'une autre façon. It's God who was feeding him in another way. Moïse était là, c'était un être comme vous et moi. Moses is a human being like il, you and I. Il n'est pas descendu comme un squelette. He did not come down as a skeleton. Descendant de la montagne comme un squelette. Coming down from the mountain mais au contraire, il rayonnait des dieux. But on the contrary, he was shining. C'est la chose que Dieu nous demande maintenant. This is the thing that God is asking from us. Est-ce que pouvons-nous arriver à un endroit? Can we reach a place? Où nous pouvons ainsi être sûrs que nous parlons de Dieu. Where we can be sure that we are speaking of God. Et que nous avons réellement rencontré Dieu. And that we have truly met God. Comme nous avons dit, les chrétiens se reposent. As we said, the Christian rests. Il a un repos. He has a rest. Un lieu de repos. A place of rest. Il sait que la parole de Dieu, he knows that the word of God, est une puissance. Is a power. Est une protection. Is a protection. Est une paix. Is a peace. Et c'est l'amour. And it's love. C'est la paix. It is peace. C'est la joie. It is joy. La tranquillité. The calmness. Une fois que vous êtes dedans. As soon as you are in sans cela, bien-aimé, without this beloved, il n'y a pas moyen de pouvoir être agréable à Dieu. There is no way to be pleasing to God. Que Dieu nous aide. May God help us. We will pray. Quel bonheur de marcher avec lui. What a joy or a goodness to walk with him. Quel bonheur de marcher avec lui. What a pleasure to walk with him. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. He leads all the way in my journey. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui, je monte toujours plus haut. With him, I'm always going upwards. Avec lui, je monte toujours plus haut. With him, I'm always going upwards. Jésus est le bon berger. Je ne crains aucun danger. Jesus is a good shepherd. I fear no danger. Avec lui, je monte toujours plus haut. With him, I'm always going upwards. Alléluia, Jésus me guérit. Alléluia, Jesus heals me. Alléluia, Jésus me guérit. Alléluia, Jesus heals me. Guérit parfaitement, me libère entièrement. He heals perfectly and liberates me entirely. Alléluia, Jésus me guérit. Alléluia, Jesus heals me. Il me baptise de son esprit. He baptizes me with his spirit. Il me baptise de son esprit. He baptizes me with his spirit. Il me rend tellement heureux en me baptisant de feu. He makes me so happy in baptizing il me fire. Baptise de son esprit. He baptizes me with his spirit. Alléluia, gloire à son saint nom. Alléluia, glory to his holy name. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Alléluia, glory to his holy name.
Bientôt Jésus reviendra, dans son règne il le prendra. Soon Jesus will return, in his reign he will take him. Alléluia, gloire à son Saint nom. Alléluia, glory to his holy name. Nous allons prier chacun d'entre nous. We shall pray, each one of us. Et je terminerai la prière. And I will finish the prayer. Seigneur, et tu seras ton Père, 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 et t
pauvres pécheurs. For you, poor sinners. Saisis l'instant qui passe. Take the moment which is passing. Ô veni, ô sauveur. To come to the Lord, or the Savior. Sur la croix du calvaire. On the cross of Calvary. Il porta tes péchés. He bore your sins. Oh, come to him, my brother, pour être libéré, to be liberated. Sa grâce incomparable, his incomparable grace, voudrait t'ouvrir le ciel, but open the heavens. To the guilty, the eternal goodness. Come at this moment. Register yourself on the cross. De cet ami suprême, of the supreme friend, de Jésus, roi des rois, of Jesus, King of Kings, notre Père et notre Dieu, our Father and our God. Nous te sommes d'abord très reconnaissants pour ta grâce encore au milieu de nous ce soir. First of all, we are very thankful for your presence among us this evening. Tu es celui qui a un but arrêté pour chacun d'entre nous. You are the one who has a purpose for each one of us. Tu es celui qui veut nous amener ici dans ta gloire. You are the one who wants to bring us in your glory. Afin que nous puissions voir la gloire que tu as, que le Père t'a donnée. So that we may see the glory that the Father has given you. Et quand nous écoutons cette parole de Dieu, nous comprenons que l'appel a une dimension propre. Très élevé. Lord, when we listen to this, we understand that the calling has a very elevated position. Tu ne nous as pas seulement appelé Père à pouvoir jouer à l'église. You have not called us, Father, to play in church. To play church. To play church. Mais d'être réellement l'épouse de Jésus-Christ. But to truly be the bride of Jesus Christ. La parole de Dieu manifestée dans le cœur des enfants des hommes. The manifested word of God in the hearts of children or people. Of children of men. Of men. Dieu de grâce, c'est pourquoi nous venons à toi. God of grace, this is why we come to you. Tu es celui qui nous a connus quand nous n'étions même pas connus. You are the one who knew us when we didn't even know ourselves. Tu nous as donné un nom. You gave us a name. Tu nous as appelés les tiens. You called us your own. Tu as dit que nous sommes ton peuple. You said that we are your people. Les troupeaux de ton pâturage. The flock of your pasture. Yes. Et tu veux de grâce que nous puissions marcher de grâce à la hauteur de la parole que tu nous as donnée. And you want us to walk with grace at the highness of the word that you have given us. Et c'est pourquoi nous nous remettons entre ta main ce soir. And that is why we submit ourselves into your hands. Demandant au Dieu brise chacun d'entre nous. Asking you, O God, to break each one of us. Éloigne ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Take away that which isn't of you. Rends-nous capables de pouvoir ainsi, ô Dieu, proclamer la parole avec grâce et avec courage. Give us the grace to proclaim the word with grace and with courage. Courage, Dieu de grâce, devant les menaces de l'ennemi. Courage, God of grace, before the wiles of the enemy. Devant tout ce qu'il peut mettre devant nous pour nous faire taire. And before everything that he tries to put before us to make us fall. Et si il y a grâce, je te demande, Dieu de grâce, de nous aider. And so, God of grace, I ask that you may help us. Afin que nous puissions réellement atteindre le but que tu nous as fixé. So that we may truly reach the purpose that you have fixed for us. Nous sommes dans cette ville de Coventry, Père. We are in the city of Coventry, Father. Combien de enfants de Dieu habitent dans cette ville? How many children of God live in this city? Et nous ne les avons pas encore atteints. And we have not reached them yet. Bien-aimé, donne-nous, Dieu de grâce,
l'amour. Beloved Heavenly Father, give us the love. Pour le salut des hommes, des âmes perdues. For the salvation of the lost souls. Que nous puissions aller vers ceux qui sont à toi dans ce pays. That we may go towards those who belong to you in this country. Et que nous puissions leur annoncer l'évangile du salut. And that we may pronounce to them the message of salvation. Ainsi bénis chacun d'entre nous, Seigneur bien-aimé. To bless each one of us, beloved Lord. Bénis notre petite assemblée. Bless our small assembly. Merci pour ce que tu nous accordes chaque jour, Père. Thank you for what you grant to us each day. Car ce message de grâce prend de l'importance dans nos cœurs. For this message, God of grace, has importance in our hearts. Accorde-nous le privilège de grandir en conséquence. Grant us the privilege to grow. De tout ce que tu, en rapport avec tout ce que tu nous donnes. In rapport with everything that you give to us. Que nous soyons pas résistants. May we not be resistant. Ni désobéissant, Père. Neither disobedient. Avec tout ce que tu nous as, que tu nous demandes de faire. With all that you ask us to do. Bénis nos enfants. Bless our children. Bénis nos maisons. Bless our homes. Bénis nos travaux. Bless our work. Bénis nos cœurs. Bless our hearts. Et que tout ce qui est en nous te bénisse, Dieu. And may all that is within us bless your heart. Merci pour tous ceux qui ont suivi ce soir. Thank you for all those who followed this evening. Merci pour ceux qui ont participé à cette réunion ce soir. Thank you for those who participated in this meeting. Accompagne tout un chacun, oh Dieu. Accompany each one. Et puissions-nous de grâce repasser ces choses dans nos cœurs. And may we go over these things in our hearts. Et Dieu de grâce les sonde encore davantage dans la Bible. And to search them even more, God of grace. Enfin, comme nous l'avons chanté, d'apprendre encore davantage sur Jésus-Christ. As we sang to learn Jesus Christ even more. Et que nous puissions tout recevoir sur la base de la foi. And that we may receive all upon the basis of faith. Nous t'avons prié ainsi, Père. We have prayed to you, Father. En te remerciant pour toutes ces choses. And thanking you for all these dans things. Dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom. In the name which is above all other names. Le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. The name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse tous. May God bless us all. Nous avons terminé pour ce soir. We have finished for this evening. Que nous puissions aller dans la paix du Seigneur. May we go in the peace of the Lord. Nous nous retrouverons demain matin. And we will find ourselves again tomorrow morning. Pour la réunion de prière. For the prayer meeting. Que Dieu soit avec nous. May God be with us. Et pour les bien-aimés en ligne, nous retrouverons dimanche parce que la réunion demain c'est pour une réunion pour l'église locale. And for the beloved online, we will find you again on Sunday for the meeting tomorrow is for the local church. Allez dans la paix du Seigneur. Go in the peace of the Lord. Amen.